C'est une conférence donc, qui est destinée à un public très jeune. À ma connaissance, il y a 90 jeunes qui sont inscrits, hein, qui viennent des différentes écoles, des établières, des maisons familiales, du lycée de nature. C'est l'élevage aujourd'hui qui représente 50% des emplois, et puis ensuite toutes les productions spécialisées, hein, du maraîchage à l'arboriculture, toutes ces productions aujourd'hui emploient, et malgré la crise que nous sommes en train de vivre actuellement, le nombre de salariés augmente. Hein, on aurait pu s'attendre cette année à des difficultés sur l'emploi, et c'est plutôt le contraire. Ce qui se passe aujourd'hui, de nombreux agriculteurs prennent la retraite, et ces agriculteurs, il faut les remplacer. Il faut les remplacer, et il y a l'installation, mais on a aussi besoin de salariés. Le salariat qui est aussi un très bon tremplin pour l'installation, c'est-à-dire que de plus en plus de jeunes ne sont pas nés dans l'agriculture et ont besoin d'acquérir de l'expérience. Et plusieurs années de salariés aujourd'hui, c'est très important pour demain avoir des candidats à l'installation. Ce sera des candidats qui viendront conforter le manque de jeunes à l'installation.